2 millions d'esclaves vont bâtir cette ville. C'est un projet qui dort au fond de moi-même depuis déjà plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je vais le réaliser. 2 millions d'esclaves? Les esclaves ont bien construit les pyramides dans ton pays natal. Est-ce que je n'ai pas raison? Il y a longtemps de cela. Monsieur Pendergast, c'est l'heure, monsieur. Merci, Wims. Dépêchez-vous d'apporter le cristal bleu, s'il vous plaît. Dans 48 heures, je pourrai déclencher l'opération. Et à partir de ce moment, le processus ne pourra être arrêté. Et bientôt, je verrai mes plans se réaliser et ma ville être bâtie par ce qu'il restera de la population de l'actuelle Californie. Serre-moi un cognac, ma chérie. Oh, laisse-moi, voyons. Tu sais que je t'adore, Serena. Mais c'est peut-être parce qu'en fait, c'est moi qui t'ai apporté le cristal. Non, c'est idiot. Cartel doit avoir des dizaines d'autres messagers qui auraient pu faire ça. Mais il n'avait qu'un messager dont le père est le délégué extraordinaire au Moyen-Orient pour toutes ses affaires. Alors tu crois que j'aimerais une femme parce que son père est très influent? Mais ma chérie, quand je recevrai enfin le projecteur et que je mettrai le cristal à sa place, j'aurai alors entre les mains une arme diabolique. Je pourrai faire trembler le monde entier et je lui imposerai ce que je voudrai. Ma ville. Ma vision. Tu pourras rappeler ce détail à ton père. Poliment, bien entendu. Il se passe des choses. On dirait que Pendergast reçoit une petite visite d'un invité inattendu. Bon, alors ce cambrioleur ne sait pas ce qu'il vole. Vous avez une photo de lui? Affirmatif. Et je peux dire qu'il est très adroit. C'est un expert, ce type-là. Oh, attendez, je crois qu'il prend aussi le fameux cristal bleu. Oui, ce type emporte avec lui tous les bijoux du coffre. C'est excellent, il fait notre travail. Alors, quand il repartira là-bas, vous pourrez l'intercepter? Oui, mais je dois y aller tout de suite si je ne veux pas le rater. Il a déjà fini. Hé là, hé! Hé! Arrêtez! Nous avons trouvé la camionnette où Scott l'avait laissée. Malheureusement, nous n'avons aucune trace de lui. C'était un type bien. On pourrait aller voir Pendergast et le faire avouer en le bousculant.
Ah, il faut faire appel à notre esprit et non à nos sentiments dans ce genre d'affaires. Et puis surtout, Pendergast est probablement le plus connu des architectes au monde aujourd'hui et nous savons qu'il aide Cartel. Mais c'est loin de suffire légalement pour qu'on puisse l'accuser d'un crime. Alors Scott a confirmé nos soupçons? Nous savons que Pendergast a l'intention de faire quelque chose de très spectaculaire avant 48 heures et qu'il utilisera une toute nouvelle arme pour ça. Mais qui ne sera opérationnel qu'avec ce cristal bleu, d'après ce qu'on sait. Oui, c'est exact. Et par chance, cet énorme cristal a été volé dans la propre demeure de Pendergast, et cela par un simple petit cambrioleur attiré par les diamants. Ce type est un professionnel. Il n'a rien du petit cambrioleur. Oui. Bon. Nous devons vite le retrouver. Et surtout récupérer le cristal avant Cartel et les siens. Et fille, est-ce que tu veux nous montrer ton beau cambrioleur? Tout de suite, monsieur le directeur. D'après les photos et la façon d'opérer, j'ai pu établir sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait de Harry Helms. Monsieur Helms utilise de nombreuses identités. Il a des goûts très raffinés et entend jouir de la vie. Il vit dans les hôtels les plus luxueux, il aime les beaux vêtements et les jolies femmes, et comme il se veut toujours en bonne forme physique, entre deux opérations, il fréquente les clubs les plus chics de mise en forme. Et d'après ce qu'on dit, le plus chic de ces clubs est sûrement l'Embassy Club, c'est ça, Effie? C'est exact, Thomas. Mais où est Torque? J'ai pensé qu'au lieu d'affronter Pendergast de face, Torque devait essayer de jouer au cheval de Troie et avant tout entrer dans la place. Bonjour. Ça alors, comment avez-vous fait? Qui vous a renseigné sur moi? Je vous l'avais dit que j'arriverais à m'arranger pour qu'on déjeune tous les deux. J'ai même apporté ce qu'il fallait pour ça. Est-ce que vous auriez le cœur de me renvoyer avec un sac tout plein de choses délicieuses? Ça ne serait vraiment pas gentil du tout. Mais je voudrais bien comprendre, comment est-ce que vous avez pu arriver jusqu'ici? Avant toute chose, j'ai offert un joli billet de $20 à votre charmant coiffeur. C'est lui qui m'a dit que la belle Tina Baldwin était célibataire et travaillait d'après lui chez le grand architecte qui est Monsieur Pendergast. C'est montré intarissable pour seulement $20. Ensuite, j'ai dit à l'armoire à glace qui se tient à la grille que nous étions de vieux amis et que vous attendiez le paquet que j'apportais. Oh. Une bouteille d'excellent vin juste au cas où vous déjeuneriez, avec une fille que vous connaissez à peine. Oui. Ça mérite qu'on s'occupe très sérieusement de votre cas, alors. Mais c'est tout ce que je demande. Bonjour, Kelly. Alors, qu'est-ce que vous allez m'offrir aujourd'hui? Est-ce qu'un bonjour et un sourire vous plairaient? Ah, c'est très gentil, mais ça ne me sauvera pas la vie. Et ne me dites surtout pas que ceci est une clé ordinaire. Et qu'elle sert à ouvrir une serrure ordinaire. D'une façon ordinaire. Elle est très ordinaire, pourtant. Ah. Oui, seulement, si vous tournez cette clé, vous activez un mécanisme qui, en quelque sorte, dérange la disposition des molécules dans les aciers les plus résistants. S'il n'y a pas de serrure, vous arriverez à ce résultat en la glissant dans n'importe quelle fente ou n'importe quel trou. Magnifique. Vous êtes plus qu'un ami fidèle, Marvin. Vous êtes aussi le chef de ma sécurité. C'est votre faute. Oui, c'est votre faute si notre beau cristal a pu être volé. Vous êtes d'accord, Marvin? Bien sûr, monsieur Pendel. Oui, bien sûr, c'est très clair. Je suppose que j'ai fait une erreur très grave en mêlant le travail et l'amitié. Il y a combien de temps que vous travaillez à mes côtés, Marvin? Un mois et deux semaines. C'est tout. Marvin, allez prendre le paquet de plans dans l'autre pièce et rapportez-le. Tout de suite. Merci. Thank you.
seuil de tolérance envers les fautes des autres vient encore de baisser. C'est terrible. Je n'arrive pas à avoir des relations très durables. Fais attention. Il est enfermé? C'est peut-être pour ça que je me suis déjà marié 11 fois. N'en sais rien. C'est un joli chiffre. Mais c'est la 12e qui a le plus de charme. Et elle, je compte la garder pour la vie. C'est ravissant, il faut le reconnaître. Je n'avais jamais rien vu de ce genre. Ah oui? Je parie que ça doit avoir une très grosse valeur. Il en prendrait si vous le gardiez. Oh, écoutez, c'est très gentil à vous, Monsieur Johnson. Mais je n'ai pas le droit d'accepter de cadeaux de la part des membres du club, c'est la règle. Mais non, voyons, attendez. Ce n'est rien du tout. Ce n'est qu'un gros morceau de cristal, évidemment rien de plus. Ça n'a pas de valeur, ça ferait un joli presse-papier ou quelque chose du même style. Et surtout, ça n'a rien d'un cadeau. C'est plutôt une invitation à dîner. Le choix de l'endroit, de l'heure et des armes vous revient. Oh, le temps de Monsieur Sussex doit être largement dépassé. Excusez-moi. Vous n'avez rien répondu pour ce dîner. Nous en reparlerons après votre séance. C'est pour aujourd'hui, Monsieur Sussex. C'est l'heure de la douche maintenant. Oui. Bonjour. Bonjour. Je peux vous offrir mes services? Ah, ne le dites pas deux fois. Je suis désolée. Hélène, voici Monsieur Sloane. Il est très intéressé par les services du club. Il pense même devenir membre. Oh, c'est magnifique. Mais asseyez-vous donc, Monsieur Sloane. Merci. Merci, Terry. Au revoir, Monsieur Sloane. Au revoir, Terry. Bon, alors, nous faisons en sorte de programmer les exercices et les machines selon ce que chacun de nos membres demande à notre club, selon ce qu'il espère, Monsieur Sloane. Thomas. Thomas? Appelez-moi Hélène. Je vois que vous êtes de toute évidence dans une forme excellente. Pour un homme de mon âge, oui. Alors je suppose que vous voudrez suivre un programme qui saura vous maintenir en bonne forme. Eh bien, en réalité, je voudrais le même traitement qu'Harry Helms. Nous sommes amis depuis très longtemps. Harry Helms? Oh, je suis désolée, je ne connais personne de ce nom. Et pourtant, c'est lui qui m'a dit de venir ici. Oh, j'ai peut-être confondu. Vous voulez bien vérifier, s'il vous plaît? Bien sûr. Pendant ce temps, allez donc voir les différents services que nous vous offrons. Vous êtes notre invité. Merci. Ceci est un appareil qui règle la tension, Monsieur Sloane. Quand il bouge, vous résistez. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai pas très envie de résister. Je m'absente juste 5 minutes et je reviens. Monsieur Sloane s'entraîne. Entre nous, je crois bien qu'il risque aussi de m'entraîner. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'ai bien l'impression que ça vient de ce cristal. Monsieur Sussex va l'emporter dans son musée pour l'examiner.
passé? Est-ce que vous êtes blessé? Au risque de vous décevoir, je ne pense pas, non. Je comprends pas. Vous voulez bien me libérer? Oh, attendez. Mais il s'appelle Johnson. Non, il s'appelle Harry Helms. Si c'est un ami à vous, il doit avoir des problèmes. Mais il se fait appeler Johnson. Ernest Johnson. Attendez, je vais vous montrer sa fiche. Il s'était toujours montré très gentil. Avec moi, en tout cas. Bon, il n'y a pas de mal à ça. Le Belmont, m'a des dents. Suite 12A. Ah, je dois reconnaître qui sait vivre. Vous êtes un inspecteur de police? Ça vous embêterait? Oh non, vous n'y êtes pas. Je veux dire, je lis tous les grands auteurs policiers. Dans le genre Agatha Christie et tous les autres. Ah oui? Si je pouvais aider la police à éclaircir une sombre affaire, ce serait la chose la plus excitante de toute ma vie. Vous avez des photos de tous vos membres? Oh oui, comme ils étaient avant et après. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que d'autres personnes viendront demander des nouvelles de Harry ces jours-ci. Et c'est moi qui leur parlerai? Oh, mais alors je pourrais sûrement vous aider. Et si on me pose tout un tas de questions, je répondrai d'un air très innocent. Et j'essaierai même de leur tirer quelques petites précisions. Et je les interrogerai à propos de ce qui pourrait peut-être vous intéresser. Hélène, calmez-vous. Ce n'est pas du tout ça. Oui, bon, j'en étais certaine. Bon, bah tant pis, c'est raté. De toute façon, Thomas, quoi que vous me demandiez de faire, je le ferai très volontiers. Bon, alors je vous écoute. Vous n'avez pas une photo de moi? Nous nous installerons par ici, sur cette sorte de petite falaise. Le cristal concentrera les rayons du soleil qui le frapperont en venant de cette direction. Les rayons, très fortement concentrés, seront alors envoyés vers le bateau et qui sera dans cette position. Et la cargaison nucléaire qui est à bord de celui-ci va en prendre un sacré coup. Et je crois qu'après ça, notre belle Californie verra fuir ses habitants. Je te promets, chérie, que tu vas assister à un exode général. Serena, tu ne m'écoutes pas? Je viens juste d'appeler le Caire avant de venir ici. Mon père veut que je reparte au pays. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je me marierai ici. J'ai téléphoné au Caire pour annoncer que malheureusement, on t'avait volé le fameux cristal. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu sais très bien comment va réagir ton père, sans oublier Cartel lui-même. Oui, mais il ne faut surtout pas t'inquiéter. Des jours on gagne, des jours on perd. Je vais récupérer ce cristal. J'ai envoyé mes hommes le chercher et je compte bien le récupérer dans moins d'une heure, je te le promets. Ça vaudrait mieux, je crois, mon chéri. Si jamais tu le récupères, surtout fais-le-moi savoir. Et je te jure que toi et moi, nous aurons un merveilleux mariage. Serena! Si elle croit que je l'épouserai encore après ça, elle se trompe complètement. Je me fiche de son père. Je veux qu'elle s'en aille, Wims. Vous serez responsable. Je veux qu'elle quitte cette maison. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Oh, les femmes, c'est toutes les mêmes. Aucune ne rattrape l'autre. Allez-y, parlez. Allô? Je crois que l'ordinateur de Cartel nous avait désigné le bon coupable. Qu'avez-vous découvert? J'ai pu emprunter une fiche dans le bureau du club qu'il fréquente. Il s'appelle Harry Helms et il habite actuellement à l'hôtel Belmont, suite 12A. Pas mal réussi. Restez où vous êtes. Pourtant, je dois bien reconnaître que si je m'écoutais, je vous mettrais en morceaux. Oui, je sais. J'ai peut-être commis une sottise en accélérant cette machine, d'accord. J'ai perdu la tête une minute, c'est tout. J'ai pas l'habitude d'avoir des policiers sur le dos. Mon copain a été tué. Parce que lui aussi était sur votre dos. Je vous promets que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je n'ai jamais tiré sur personne. Si les gorilles qui m'ont poursuivi vous ont raconté que c'est moi qui l'ai tué, ils ont menti. Où est passé le cristal bleu? Pourquoi ça? Il ne vaut rien pourtant. Répondez, Harry, où est-il? Eh ben, je ne sais pas trop. Un homme a été tué au cours de ce cambriolage. Vous risquez d'être envoyé en prison le reste de votre vie. Et je pourrais jurer que vous avez aussi essayé de m'abattre. J'appelle le centre d'urgence. Dépêchez-vous de passer prendre le paquet. Oui, bien sûr.
Mais je ne le savais pas. D'accord, je vais faire les réservations. Entendu, je vous rappelle tout de suite. Notre pauvre monsieur Pendergast a encore gâché une chance d'être heureux. Vous voulez m'excuser une petite minute? Vous allez devoir rester un moment seul. Oui, bien sûr, je vous en prie. Je serai très bien ici, c'est très confortable. C'est réconfortant de vous avoir ici, en tout cas. Je me dépêche. Nous aurons le cristal, il faudra le placer ici. Alors vous allez vite sortir la camionnette et me ramener cet idiot de cambrioleur. Oui, celui-là, il va regretter d'avoir été si gourmand. Amenez-le-moi. Dépêchez-vous. Alors prévenez tout de suite Thomas qu'ils sont partis chercher le cambrioleur. J'ose espérer que Thomas est déjà parfaitement au courant. Voler ma collection d'aussi belles pierres, c'était déjà une grave erreur. Mais prendre le cristal, c'est une erreur qui pourrait devenir fatale. Vous avez récupéré vos bijoux, alors pourquoi vous m'en voulez? Pour un morceau de verre? J'ai de très bonnes raisons, Harry. Des raisons que je tairai. Alors il ne reste qu'à négocier. Vous le voulez, et je l'ai. Faites une offre. Bon, très bien, je vous offre la vie. Je sais bien que j'aurai la vie sauve aussi longtemps que je saurai où est le cristal. Et pas vous, bien sûr. Si vous vouliez me dire pourquoi il est tellement important... Oh, attendez. Il ne s'agit pas seulement de votre vie, oh non. Bonjour, Harry. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Quand Twilliger lui a posé quelques questions à ce club, ou je ne sais pas trop quoi, elle lui a appris très candidement que vous vous portiez une affection très tendre. Je voulais juste essayer d'être un peu utile. Rassurez-vous, vous avez été très utile. Vous avez remis le cristal à un éminent savant qui l'a emporté au musée. Oui, c'est exact, Monsieur Sussex. Il a dit qu'il étudierait pour essayer de comprendre ses effets. Mais si vous savez où il est... Pourquoi me gardez-vous? Parce que le musée est fermé à cette heure-ci, Harry. L'accès en est interdit. Mais pour un grand as du cambriolage, cela ne devrait pas causer beaucoup de problèmes. Vous ne voudriez pas que le sang de cette jeune fille salisse votre conscience? Excusez-moi. J'en ai pour une minute. Je n'ai pas de temps à perdre, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai cru qu'il fallait vous le dire, monsieur Pendergast. Ce type qui est là... Ce n'est pas lui, le cambrioleur, qui a réussi à vider mon coffre. Bien sûr que non, il s'appelle Thomas Sloane. Et c'est lui notre ennemi, Wimps. Oh, mais alors, il n'y a pas à hésiter. Il n'y a qu'à vite le liquider, et pour de bon. Ah non, parce qu'il va essayer de sauver la vie de sa jeune amie. Et il fera tout pour retrouver le cristal. Il est assez fort pour réussir.
J'espère que vous avez compris où il était. Écoutez, on n'improvise pas ce genre de choses. Jusqu'à maintenant, personne n'a jamais pu cambrioler ce musée, vous le savez. Ça devrait justement créer une sorte de stimulation chez un homme de votre habileté. Je vivrais très bien sans ça. Mais pensez donc à Hélène. Sa vie dépend de vous. Alors si vous n'êtes pas là avec le cristal dans exactement 15 minutes, ou s'il vous arrivait de déclencher par erreur le signal d'alarme, Wims s'occupera d'elle. Vous avez juste 15 minutes, Harry. Allez-y. Je vais réussir, Hélène. Oh, je le sais bien. Tu es là? Oui, je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Et toi, où tu es? J'appelle de sous les murs du grand musée. Je vais essayer de m'y introduire et de voler le cristal. Ils tiennent la fille, ils la tueront si je rate. Moi, je pense arriver dans 20 minutes. Bien. Mais je n'ai que 13 minutes en tout, c'est très court. Et si je déclenche l'alarme, ils la tueront aussi. Bon, je vais expliquer à ce tas de ferraille que je conduis d'oublier que c'est un vrai corbillard et lui faire croire qu'on l'a transformé en Formule 1. Égypte couvrait toujours leurs femmes de toutes sortes de richesses et n'en attendait rien en retour, sauf leur compagnie quand même. Aujourd'hui, je vous offre ce genre de vie, ma chère. Enlevez plutôt vos mains de là, s'il vous plaît. Vous êtes une femme vraiment très belle, Hélène. Vous êtes même si belle que je pourrais peut-être me laisser aller à oublier une si grande insolence. Je vous laisse réfléchir. Vous avez encore juste 10 petites minutes. Tuer des gens ne semble pas beaucoup vous gêner. Ma chère enfant, le progrès se paie forcément de beaucoup de vies et quand sonneront 7 heures demain matin, alors je forcerai le monde tout entier à avancer d'un pas de géant. Des millions d'habitants me supplieront d'être leur maître. Moi, je ne serai pas du nombre. Thank you.
Désolé, vieux, c'est pour une bonne cause. Eh bien, ma chère, votre cambrioleur vous aura coûté la vie. Ça va? Oh, oh oui, ça va. Enfin, ça va mieux. Tirez la porte. Et maintenant, le cristal, je vous prie. C'est du beau travail. Nous pouvons partir, tous les gars. Votre cristal. Expliquez-moi ce qu'il a de si précieux. On pourrait dire que c'est la clé d'une ville, d'une nouvelle ville. Une ville que vous allez sans doute dessiner. Et bâtir et diriger. Ou pour être plus précis, orchestrer, si vous voulez, avec la précision mathématique d'une grande composition musicale. Avec la précision mathématique d'une grande composition musicale. Bon, écoutez, vous avez ce que vous vouliez. Pourquoi ne pas nous permettre de descendre ici et de partir? Si vous étiez Harry Helms, peut-être que je le ferais. Mais il est temps pour moi de mettre fin à cette petite comédie. Arrêtez par ici. Et si vous voulez bien descendre tous les deux, Wims va vous faire les honneurs. C'est ça votre gratitude pour ce que j'ai fait pour vous? Wims. Sortez! Ça fait rien, j'ai le cristal, partout en vitesse. Ils ont fichu le camp maintenant. Il y a des carrefours dans tous les coins par ici. Et l'autre fou a le cristal. Il a dit qu'il préparait quelque chose de vraiment terrible, à 7 heures juste ce matin. D'après lui, ce serait réduire des millions de gens à l'esclavage. Ça nous laisse tout juste 2 heures. À quoi ce fameux cristal servira-t-il d'après toi? J'en sais rien. Il n'a rien dit à ce propos-là? Non, mais j'ai vu des choses bizarres faites par ce cristal. De quel genre? Vous ne voudrez jamais me croire. Mais quand les rayons du soleil l'éclairent d'une certaine façon, les objets vers lesquels il est pointé s'écrasent sous leur propre poids. Bonjour, Tina. Est-ce que vous vous rendez compte que le jour est levé il y a quelques instants? Oui, et je m'excuse de vous réveiller. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ici, là? Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. J'aimerais avoir le temps de vous l'expliquer, mais je vous demande d'avoir confiance en moi. Tina, écoutez-moi attentivement, c'est vraiment très important. Est-ce que Pendergast est ici? Non, il est parti avec 2 hommes. Wims et Twilliger, déjà à 20 minutes environ. Est-ce que vous savez où ils sont allés? J'ai vu qu'ils avaient pris la camionnette. Ils ont chargé quelque chose dedans, mais je n'ai pas distingué ce que c'était. Mais c'était recouvert d'une couverture rouge. Le projecteur se trouvait juste ici et Pendergast disait que ça deviendrait opérationnel avec le cristal. Comment est leur camionnette? Vous savez, je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans, mais c'était une fourgonnette de livraison. Elle était blanche. Qu'est-ce que cette maquette représente? C'est la fameuse ville dont rêve Pendergast. Un futur cauchemar pour des millions de gens. Est-ce que Pendergast ne faisait rien par écrit? Il ne faisait pas tout de tête. Il doit bien avoir des papiers. Jamais je n'ai rien vu ici. Il n'a même pas de bureau dans sa bibliothèque. Alors, il y a une pièce secrète. Je parie qu'elle est tout près. Pendergast jouait très souvent de la musique sur cet orgue. Et presque toujours du Jean-Sébastien Bach. Il a dit qu'il allait orchestrer sa nouvelle ville avec la précision mathématique d'une grande composition musicale. Alors un instant, Torque, est-ce que tu joues du Bach? Oui, mais je suis un peu rouillé. Je vais toujours essayer.
Vas-y, Allegro. On a une heure pour trouver où ils sont allés. De la côte ici avec un bateau. Il s'appelle le Primrose. Et je vois là justement, il y a un bateau qui s'appelle le Primrose qui lève l'ancre à 6h30 ce matin. Quelle est sa cargaison? Du matériel nucléaire pour l'étranger. Cette fois je vois le danger. Si on imagine la combinaison du cristal avec le projecteur de Pendergast, il est à craindre que ce bateau n'aille pas loin. Vous voulez dire que monsieur Pendergast s'est mis en tête de couler ce bateau? Pourquoi faire? Pour contaminer toute la côte jusque là-bas au Canada. La population, la nourriture et tout le reste. Toute cette région-là deviendrait vite inhabitable. On verrait des millions de gens partir avant de mourir n'importe où comme des bêtes. Pas un pays sur Terre ne les accueillera s'ils sont vraiment trop nombreux. Sauf un nouveau pays, tenu par cartel et bâti par ces millions d'esclaves dont Pendergast parlait constamment. Monsieur Pendergast, le voilà, le Primrose. Juste à l'heure, c'est un excellent présage. Dans 10 minutes, le bateau naviguera dans les courants et je le coulerai. Vers 7h, le Primrose naviguera à 1 mille au moins de la côte, en plein milieu des courants. Ça nous laisse à peine 10 minutes pour agir. Quelques instants de patience et tout comme le Titanic, il se retrouvera au fond de l'océan. Voilà le Primrose. Je ne peux pas le rater. Dans une toute petite minute, c'est son propre poids qu'il fera couler. Regarde là-bas. C'est sûrement Pendergast. On ferait bien de descendre, regarder. Thank you.
détourner son attention au moins. Ils vont le regretter. Allez, approchez. Oui, c'est ça, approchez. Vas-y, rafraîchis-les. Le monde de l'une des plus grandes merveilles depuis les pyramides. Je voudrais savoir comment cela laisse votre conscience. Clair, monsieur Pendergast. Comme du cristal. Vous êtes bien certaine que cette petite plage sera déserte? Soyez tranquille. Il n'y a pas de téléphone. Non, pas un. Mais c'est une île déserte où elle nous emmène. Tant mieux. Torque et moi, nous ne sommes tranquilles que dans ce genre d'endroit. Nous sommes nerveux dès qu'une bouteille vide approche de la plage. Ben, qu'est-ce qu'on attend pour s'en aller? Mon assistante Terry amène son nouveau petit ami. Un monsieur très distingué, à ce qu'elle m'a dit. Autant que nous. Bien le bonjour tout le monde.